Moi je suis Patrick, du président du bureau des guides de la Haute-Vallée de l'Aude. Et aujourd'hui on a organisé pour Camus Raquette. Donc c'est un événement pour la communauté de communes. On a organisé la journée de la raquette et donc on a fait diverses boucles. Nous avons fait une boucle plus ou moins grande où on a eu des superbes paysages quand on était là-haut sur plus ou moins 100 km de Pyrénées. Donc c'était une journée magnifique avec un beau grand soleil. Voilà. C'est bien. Et combien de gens vous avez eu aujourd'hui ? J'en ai eu beaucoup. Au départ j'en avais 60 et après on a divisé, j'en ai plus eu que 30. Mais ça reste quand même encore des grands groupes pour un accompagnateur montagne. Mais on est parvenu, je pense, à faire quelque chose d'honnête. On a ramené tout le monde, grâce à Charles aussi qui a fermé avec moi, qui a essayé de fermer. Voilà. De l'autre groupe aussi. De l'autre groupe. Merci pour la présence. Bonjour à tous. Bonjour. Qui c'est qui peut me dire un petit mot ? Bienvenue. Votre prénom ? Bonjour, Olivier. Olivier, vous êtes le chef du groupe ? Je suis le chef d'unité Irène pour l'équipe qui vient aujourd'hui. Parfait, donc 5 avec les deux. Donnez-nous leur prénom. Donc voilà, Michael, Jean-Marie, Muriel et Guillaume. Alors le grain, c'est expliquez-nous, c'est une session des chefs pompiers. C'est ça, vous avez quoi, une spécialité vous? Tout à fait, donc c'est une reconnaissance et l'intervention en milieu périlleux. On intervient là où les moyens traditionnels sont pas pompiers, sont plus adaptés, plus efficaces. En raison des conditions météo, de la hauteur, de la profondeur, de la situation, du contexte, de la montagne. Et quoi, vous, le grimpe 11, vous étiez dans la mer et la montagne, peut-être, notamment ? On n'est pas spécialisé dans la mer, non. On est spécialisé dans tout ce qui est milieu et accessible, comme les falaises. Ah, il y en a chez nous, hein. Il y en a plus, regardez, c'est pas ici. Par exemple, la Stade est client. Exactement. On peut intervenir sur le national de Stade, dans l'exemple de la Floralie. Comme faire une intervention au milieu météorologique, également, on peut aussi intervenir dans le milieu montagne. Parfait. Alors donc là, qu'est-ce que vous nous promenez? On a déjà notre bienvenue tout le monde. Hein. Là, on a... Alors la neige, elle est peut-être pas, hein. on a de la neige quand même. Qu'est-ce que vous faites? Un igloo, je crois. Voilà, vous êtes bon. Comment on fait un igloo? Le principe, évidemment, pour faire quoi? Des blocs de neige. Exactement. On met dans un petit bloc de neige, on le fait avec les scélégants. On va dire qu'il glisse pour faire le ciment, on va dire, entre les doigts. Et la principale difficulté, c'est pas la remise pour faire le temps. Toi, est-ce que c'est possible d'être une neige comme ça un peu souple, pas loin? Est-ce qu'on peut quand même faire un toit ou pas le stress de tomber sur le bois? Je ne garantis pas le résultat avec la neige qu'on a aujourd'hui, mais on va essayer. Voilà, donc. Et on aura aussi, bien sûr, la petite porte avec le truc pour en sortir. Il faut savoir quand même qu'en cas de souci, on peut utiliser également tout ce qu'on a sous la main. C'est-à-dire qu'on peut se servir d'un sac à dos, on peut se servir de scie ou autre pour finaliser le tour. Voilà. Dans le pire des cas, si on a une congère assez profonde, le fait juste de creuser un trou avec une congère va nous permettre de nous mettre à la boue. Là, on essaie de bâtir carrément avec le truc de neige, mais dans les conditions naturelles, la solution de l'esprit, ça va être très rapidement de se mettre à l'abri. C'est sûr qu'en situation réelle, aujourd'hui, on va pas faire un igloo, c'est tellement beau, hein, c'est ce que je dis. Donc on est vraiment dans un cas où on a beaucoup de neige, on a besoin de se protéger, parce que c'est vrai, quand on est dans un igloo, il fait la température est quand même pas à 0 degré, même s'il fait moins 20 degrés à l'extérieur. Exactement. Nous avons fait donc cet igloo pour faire la démonstration qu'en cas de mauvais temps, il est facile de construire un abri pour se protéger de la tempête. C'est 4 ou 5 encore. Il y en a 2 qui sont déjà partis. Une a été un peu déviée. Et on attend la prochaine fusée. Regardez bien, ça va très très haut. Et ça peut vous trouver des filles au plus haut. Nous avons fabriqué l'abri à 7, on est rentré pour faire la photo, on était 7. Après, en mode survie ou autre, on ne sera pas, il n'y aura pas la place pour 7 personnes, hein. Il faudra quand même le réduire, mais là on est rentré à 7. Parce que quand la neige se colle, ça devient lisse et ça arrive à tenir sans bâton. Oui, à quoi il servait le bâton? À faire tenir le toit au début, avant que ça se colle tout seul. Oui, parce que... Voilà.
et les garçons aussi qui sont là-bas. Quel est ton prénom? Des jeunes de partout du plateau de Sion et d'ailleurs, partie du club, bravo à tous.